Alors, sur le moteur 1,3 litre de la Ford Fiesta, donc votre capteur arbre à cam, il se trouve ici. C'est celui qui est en bleu, généralement en bleu, mais des fois il est en gris, c'est possible qu'il soit en gris, suite à un changement de capteur, justement, avec de l'adaptable. Celui d'origine, donc c'est la marque Siemens, d'accord. Donc ici, à ne pas confondre avec le capteur PMH qui est sous le cache de filtration, qui se trouve ici, que vous verrez en vidéo. Ils ont la même tête. Le PMH est un petit peu coudé, mais sinon c'est exactement la même tête, d'accord. Mais à ne pas confondre avec le capteur arbre à cam. Ok. Donc c'est aussi appelé capteur inductif. Donc lui, il est positionné sur le dessus du couvre-culasse, ok, côté distri qui est ici. Lui, il envoie un signal au calculateur de gestion moteur, ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est important de préciser, c'est que il détermine la position du cylindre numéro 1, d'accord. Donc vous avez au fil de bougie le cylindre numéro 1. Donc il détermine cette position 10 degrés avant le PMH, d'accord, en délivrant une petite impulsion au calculateur à chaque passage devant la cam, devant le capteur, ok. Donc il y a un joint torique en dessous avec un petit écrou avec une douille de 10, d'accord. Donc pour le démonter, il vous faut une douille de 10. Donc vous avez une rondelle et un écrou. Vous n'êtes pas obligé de sortir le cache de filtre à air. Alors si vous voulez avoir un peu plus de place, vous pouvez. Donc là vous avez la connectique. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc là on voit la connectique. Donc vous appuyez dessus. Comme ça. Hop. Vous tirez dessus et vous avez la connectique qui sort. Ok. Donc une fois que vous avez retiré la fiche, c'est pas très compliqué. Vous avez votre capteur là. Vous jouez un petit peu dessus, sans forcer, hein, tout doucement, ok. Voilà. Vous le faites un petit peu pivoter. Voilà, c'est possible que ça soit un petit peu collé, hein, comme je vous ai dit, il y a un petit joint torique, ok. Voilà. Voilà, donc c'est surtout ce gros joint qui est le plus dur à enlever. Mais ne forcez surtout pas, d'accord. Donc ensuite, vous le retirez doucement. Voilà. Voilà, donc c'est un petit. Donc vous faites attention, il y a de l'huile là. Donc petit capteur arbre à cam, très simple à changer, pas besoin d'aller chez le garagiste pour changer ça. Alors le seul hic, c'est que vous aurez que des pièces adaptables, donc d'autres marques, hein, qui fonctionneront sur la voiture. Par contre, pour ce qui est du capteur Siemens, 95% des cas, ça sera dispo que chez Ford ou il faudra commander sur eBay, mais sur des stocks Ford original, donc des revendeurs spécifiés Ford directement en Grande-Bretagne. Donc voilà. Mais c'est pas très compliqué à changer. Vous faites bien attention en joint, d'accord. Vous l'essuyez s'il est sale. Bon, généralement, c'est que de l'huile de toute façon, d'accord. Donc voilà, c'est pas très 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 sale. Donc, je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez bien. Donc voilà, ça se présente comme ça, ok. Donc c'est quasiment la même tête que le capteur PMH, sauf que le capteur PMH, au lieu d'être à plat comme ça, il est coudé vers le haut. Donc ça fait ça, tac et tac. Donc vous avez votre joint, vous le faites attention, il est tout autour. Donc c'est plein, hein, d'accord, il n'y a que de l'huile qui trempe d'ici et là, donc c'est dû aux projections d'huile, hein, d'accord. Là, la petite vis et vos deux broches. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour le tester à l'aide d'un multimètre. Et puis vous allez voir, c'est très très simple, et puis ça vous permettra peut-être de faire quelques économies en plus. Allez, je vous montre ça tout de suite. J'en profite pour vous montrer le petit multimètre que j'ai acheté, donc une petite lampe aussi derrière, de la marque Tac Life, mais pour un amateur et qui fait pas un métier d'électricien, ça suffit largement. Alors je sais que maintenant ils sont calibrés automatiquement, c'est lui qui mesure la valeur automatiquement, mais bon, c'est pas très compliqué et c'est assez suffisant pour moi. Donc merci à ceux qui m'avaient expliqué un petit peu au début sur Discord. Donc voilà, donc vous mettez le noir sur le com à droite et le rouge sur la partie à droite pour le voltage et la mesure des ohmmètres. Donc après, pour le tester, c'est très simple.
Il y a deux broches, donc là c'est très facile à tester. Des fois vous en avez plus, donc il faut faire gaffe avec l'RTA et à quoi correspondent les petits connecteurs s'il y en a plus. Donc faites attention au niveau des valeurs. Bon, dans mon cas il y en a deux, c'est assez simple quand même, c'est assez facile. Donc vous vous mettez sur 600, ça est largement suffisant, mais si vous voulez vous pouvez mettre le calibre au-dessus sur 6K. Okay. Ensuite on vient juste mettre le moins à côté ou le plus, peu importe, sur chacune des petites cosses qui est là. Okay. Et on va faire contact. Donc voilà, comme vous pouvez voir, là j'ai une résistance de 489. Donc vous pouvez descendre et mettre sur 600. Voilà, donc j'ai 491,491 au niveau de sa résistance. Donc ensuite, une fois que vous avez récupéré la valeur, il reste plus 36 solutions. Vous sortez la RTA de la voiture, vous cherchez dans la case appropriée, donc là, capteur de position d'arbre à cam, marque Siemens, ce qui est bien le cas. La résistance doit être comprise entre 442 et 588 ohmmètres au niveau de sa résistance, ok? Entre 442 et 588, ok? Voilà, donc je suis à arrêter de bouger. Donc je vous remonte une dernière fois, donc je suis bien à 484, donc je suis entre les deux, donc pour l'instant le capteur est toujours fonctionnel. Donc voilà, ça c'est la seule façon, enfin soit vous avez, en fait vous avez deux méthodes, soit vous avez ça, vous récupérez la valeur, vous regardez dans la RTA, soit vous avez déjà un problème et vous avez soit un logo défaut moteur qui apparaît, ou soit vous avez un code d'erreur qui est ressorti avec la valise. Ok. Donc voilà, voilà. Donc je vais vous montrer le remontage, j'ai rien de compliqué. Pour le remettre, rien de compliqué. Donc vous le nettoyez au préalable, vous n'oubliez pas de mettre un petit chiffon avant pour pas qu'il y ait de cochonnerie qui rentre à l'intérieur. Vous nettoyez bien le plan autour, vous remettez votre capteur. Vous allez arriver en butée à cause du joint qui fait étanchéité. Donc vous appuyez dessus, vous allez entendre un petit clac et c'est bon. Ok. Ensuite vous mettez votre vis, donc du coup avec un petit filet ou pas, mais pour moi il n'y a pas besoin, il n'y en avait pas sur la vis, mais bon, si vous voulez en mettre un petit peu, vous pouvez en mettre aussi. Ensuite vous remettez votre vis. Voilà. Normalement ça devrait aller, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a pas besoin de passer au garage pour cette opération. Voilà, je vous remettrai un petit coup après. Ensuite, il vous reste la fiche. Bon bah la fiche, vous regardez si elle n'est pas oxydée. Sinon vous la remettez. C'est avec clip automatique, donc vous la poussez. Et voilà, c'est terminé. Dernière étape, le serrage final. Alors je vous mettrai ça dans la description si je trouve les newton mètres, mais bon, vous serrez pas comme un goré, c'est du plastique. Un petit coup, de toute façon, il n'y a pas de vibration ici trop, ça bouge pas trop, donc pas besoin de serrer comme un goré. Voilà, donc pour finir avec la touche du pro, recharge de lave-glace. Et voilà, roule ma poule. Voilà les amis, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc je vous ai montré comment localiser le capteur CMP de la voiture. Donc c'est le capteur arbre à cam, à pas confondre avec le capteur PMH. Donc je vous ai montré comment le localiser, le nettoyer, le tester et le remettre. Donc j'espère que cette vidéo va vous servir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.